On voit qu'on n'est pas seul dans ce monde et ça nous donne la force. J'ai ma famille, j'ai ma soeur, j'ai deux oncles, j'ai ma mère qui sont toujours là-bas. Ma soeur, elle reste coincée à Kiev. Elle n'arrive pas à sortir des capitales. Du coup, dans la journée, c'est plutôt calme et en nuit, les bombardements, ça recommence. Et les gens, ils sont obligés d'aller sécurisés dans les caves où ils peuvent.